Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours au pluriel. Alors aujourd'hui, on est dans le secteur de Tétroville, on est dans l'est de Montréal, donc sur la rue Pierre-Tétrault. Donc on n'est pas loin de Sherbrooke, on est quand même très bien géolocalisé, vous allez avoir l'autoroute 25, etc. Je vais vous montrer un magnifique, très grand 4,5, très spacieux. Il y en a même qui vont dire que c'est un 5,5 aussi. L'unique chose, c'est que vous allez avoir deux chambres à coucher, grand salon double. Vous allez tout voir dans cette vidéo 360 degrés. Donc, c'est un énorme 4,5 impeccable au dernier étage. Donc, vous êtes vraiment au dernier étage, secteur très résidentiel et paisible. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette visite 360. N'oubliez pas de tourner la caméra avec votre doigt, avec votre souris, cliquez sur l'écran et vous allez être vraiment en mesure de voir les plafonds, les planchers, les garde-robes, tout l'ensemble de ce beau grand 4,5. Alors, derrière moi, vous allez avoir immédiatement la porte d'entrée du logement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des escaliers intérieurs et non extérieurs. On sait toujours qu'en hiver, c'est toujours plus intéressant d'avoir les escaliers à l'intérieur pour le déneigement, c'est moins compliqué. Alors, vous allez avoir les escaliers, derrière moi, la porte d'entrée principale pour vous donner accès au logement. Et immédiatement, à ma gauche, vous allez avoir la belle grande salle de bain impeccable. Vous avez ici un armoire, une commode qui a été ajoutée, un armoire plutôt. Vous allez avoir ici la toilette, vous avez le lavabo, miroir. Belle baignoire, quand même assez longue, assez profonde. Et vous avez ici la belle céramique jusqu'au plafond. Des grandes fenêtres. Les fenêtres ont été changées récemment, ce que la propriétaire nous a mentionné. Donc, la consommation d'énergie par rapport au chauffage, l'électricité devrait être vraiment minime. Alors, vous avez la salle de bain. Immédiatement, vous avez un long corridor. Je vais commencer ici par la cuisine. Donc, vous avez une très belle grande cuisine avec un îlot au milieu. Vous avez ici beaucoup de comptoirs. Il y a une possibilité d'avoir les électroménagers si vous en avez de besoin. Donc, on parle ici de tout ce que vous voyez comme électroménager. La cuisinière, la vaisselle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse. Donc, vous avez une très belle grande cuisine, double lavabo. Vous allez avoir ici immédiatement le garde-manger, quand même assez grand, assez spacieux. Vous avez ici la ventilation pour la cuisinière, et vous avez ici dans ces portes, derrière ces portes accordéon, vous avez la laveuse sécheuse superposée, plus vous avez une balayeuse centrale. Je vous montre immédiatement la belle grande terrasse, parce que oui, c'est tellement grand, je ne peux pas appeler ça un balcon, c'est une terrasse quand même assez grande, spacieuse. Très important, ici on donne face à l'ouest, ce qui veut dire toute l'après-midi, vous allez avoir amplement de soleil. Bon, vous avez un grand arbre qui vous donne un petit peu plus d'intimité et d'ombrage, comme on dit. Bon, ici, immédiatement, vous avez un espace de rangement pour mettre vos pneus, pour mettre tout ce que vous avez de besoin, recyclage, etc. Donc, vous avez un espace de rangement supplémentaire. Alors, vous avez ici, voyez-vous, la cour. La cour, elle est pour les locataires du bas. Vous aurez seulement accès à votre balcon. Alors, voilà, donc ça, ça a été pour la grande terrasse. On continue cette visite 360 et je vous montre tout de suite la pièce double. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a qui vont considérer ça comme un 5,5. Moi, je considère ça comme un grand 4,5. Pourquoi? Parce que vous avez ici un coin table à manger, salon à air ouvert. Donc, deux grandes pièces doubles avec du rangement juste ici, je vais vous le montrer. Et voilà. Vous avez des étagères jusqu'au plafond. Donc, vous pourriez faire ici table à manger, salon, un peu comme qu'est-ce que les locataires ont fait actuellement. Ou tout simplement, vous pourrez faire salon, coin bureau, télétravail, etc. C'est à vous à décider de la façon que vous allez vous en servir. Alors, vous avez un garde-robe aussi. Donc, très important, voyez-vous, ça vous donne un garde-robe pour cette pièce-ci. Vous avez des belles portes françaises, givrées, des beaux planchers, et vous avez ici le garde-robe d'entrée. Encore une fois, quand même assez grand, assez spacieux. Alors, je vais vous montrer la première chambre, la chambre des maîtres. Encore une fois, vous avez une porte en chêne, vous avez des beaux planchers en bois franc,
Une grande fenestration, très grande chambre. Donc, c'est sûr qu'actuellement, les locataires sont déjà en train de faire leur boîte pour le déménagement. Donc, si vous avez un lit king, ce qu'il y a de plus grand, aucun problème, ça pourra entrer facilement. Vous avez ici ce garde-robe qui a été annexé. Donc, à ce moment-là, ça va rester ici. Donc, c'est vraiment une grande chambre à coucher. La deuxième chambre, un petit peu plus petite, mais quand même, si vous avez un lit double, ça pourra entrer facilement, comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Et encore une fois, vous avez immédiatement un garde-robe pour cette chambre-ci. Voilà. Puis même ici, une autre commode qui a été annexée. Comme vous pouvez le voir, vous avez des fenêtres, vue sur la rue. Donc les deux chambres donnent vue sur le côté est de Montréal. Alors le matin, c'est beaucoup plus ensoleillé. Et je finalise le tout en vous montrant ici un peu le coin. Donc vous allez avoir votre balcon. Vous avez, c'est une rue quand même assez tranquille, résidentielle. Et voilà, on a fait le tour de ce grand 4,5 de façon virtuelle. Si ça vous intéresse, vous connaissez de bons locataires qui cherchent de beaux appartements, partagez cette vidéo en grand nombre. Ça va me faire un grand plaisir de vous le montrer en personne. Et puis, ce que vous voyez dans cette vidéo, je vais vous le dire honnêtement, c'est encore plus beau, encore plus grand en personne. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit pour les locataires. Donc, abonnez-vous, activez les notifications avec la clochette pour recevoir les alertes pour nos prochains beaux appartements que nous aurons prochainement pour vous. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer prochainement. Bonne journée.